suis jongleur professionnel et je fais des spectacles, des initiations avec les enfants et différents contrats, tout ce qui peut me faire gagner de l'argent autour du jonglage et du yo-yo, la discipline dans laquelle je suis spécialisé. Ça va, tranquille? Yes. Fait longtemps? Je suis 8 fois champion de France et 3 fois champion d'Europe. On ne peut pas gagner sa vie avec des compétitions, plus via le spectacle, donc c'est ce que je cherche à faire. Moi, ça m'a vraiment changé la vie, le yo-yo, par rapport aux expériences, aux voyages et tout le reste que j'ai eu sur moi-même. Du coup, tu lances, bah, tu te demandais sur le côté où... Le but des initiations aussi, c'est de faire partager la passion que j'ai pour l'objet. Ouais, ça. Je me dis que sur tous ceux à qui j'apprends, il y en aura quelques-uns qui vont continuer peut-être sérieusement. Hop, voilà. Ouais. Ça m'a vraiment changé la vie, le yo-yo, par rapport aux expériences, aux voyages et tout le reste que j'ai eu sur moi-même. J'avais assez vite essayé les balles parce que mon frère en faisait. Et après, on s'est un peu entraîné l'un et l'autre là-dedans. Et j'adore partager ces choses-là avec lui. On avait un spectacle qu'on voulait monter et puis comme je suis pas souvent là, qu'on n'a pas les mêmes disponibilités, ça s'est toujours pas fait. Je pense qu'on y tient tous les deux et qu'un jour on finira par le faire. Quand Quentin s'est lancé complètement dans la jungle, qu'il a voulu en faire son travail, je me suis dit que c'était osé et en même temps que c'était une bonne idée. Il avait pas l'air d'avoir envie de faire autre chose, donc je me suis dit plutôt qu'il essaye de suivre un chemin bien tracé qui lui plaît pas, autant qu'il essaye. J'aimais beaucoup l'aspect gadgetique, le fait de toujours avoir l'objet sur soi. Ça devient une façon de vivre, de jongler, de s'amuser un peu avec tout, de s'amuser avec les objets, de chercher de nouvelles possibilités, de jongler avec tout et n'importe quoi. Dans l'idéal, j'espère développer cette activité pour pouvoir avoir suffisamment de revenus et vivre vraiment bien à 100% de cette activité, pour continuer d'essayer de me surpasser et de pousser la discipline plus loin. Aujourd'hui, je suis vraiment heureux dans ce que je fais. Et j'arrive souvent à donner du bonheur autour de moi et j'espère que ça continuera.